Bonjour et merci de suivre l'actu décryptée. Dans cette émission, nous recevons quotidiennement des éditorialistes pour décrypter ce qui fait l'actualité. Pour ce premier numéro, nous sommes avec Monsieur Terassidi, directeur général et directeur de publication du journal Le Sort Ivoirien. Bonjour. Bonjour. Avant le décryptage avec vous, nous allons voir ce qui fait la une de l'actualité ce mardi. Ce mardi, la presse ivoirienne met l'accent sur la modification de la constitution annoncée par le chef de l'État et la mort du colonel Issa Ouattara, dit Ouattao. À la grande une du Patriote, Ouattara ne compte exclure personne, y compris lui-même. Chez les confrères du Nouveau Réveil, Ouattara veut modifier la constitution sans référendum. La date est donnée par le temps. Ouattara promet de changer la constitution en mars 2020. Le sursaut explique comment le président Ouattara va modifier la constitution. Le journal pro-gouvernemental Fraternité Matin, quant à lui, revient sur le décès de Ouattao et l'hommage qui lui a été rendu par le chef de l'État hier. Chez Le Sort Ivoirien, on voit la une ce matin. Voici les maladies qui ont eu raison de Ouattao. Recevant les corps constitués de la nation hier, pour les vœux de Nouvel An, le président Ouattara déballe tout sur la mort du colonel-major. Alors, vous avez bien connu Ouattao? Ouattao, je l'ai bien connu, je l'ai même fréquenté. Alors, qui était-il vraiment? Ouattao, il faut le dire, était un homme, un militaire engagé et qui a beaucoup aimé sa patrie. Et il était légaliste Oui. et son impartialité a fait de lui un philanthrope. Et c'est quelqu'un qui ne lésine pas de gros moyens pour secourir à quelqu'un qui est en cri de détresse. Je l'ai connu à Boaké puisque j'avais eu des difficultés ici. J'avais été arrêté pendant en 2003. De la DST, je suis arrivé à Boaké et il s'est occupé de moi pendant les 3 ans et jour pour jour. Mais tout ce qui est dépenses, tout ce qui est des besoins dans l'immédiat, alors il s'occupait de moi et pendant tout ce temps, pendant les 3 années passées auprès de lui. Il m'a même, et souvent même s'il va à Korogo, il dit bon, il vient me trouver à mon hôtel, à l'hôtel Mermoz précisément. Il dit bon, Terra, allons-y à Korogo, on va à Korogo, à Kachola, et ainsi de suite. Et sur le plan militaire? Sur le plan militaire, je le dis que c'est un génie militaire. Et à chaque fois que le jour où ils ont bombardé Boaké, j'y étais, il m'appelait, il dit ne sors pas. Il dit quoi? Il dit non. Il s'est dit il ne faut pas sortir aujourd'hui, j'ai eu peur. Il dit peut-être que j'ai fait quelque chose à Boaké, mais il ne nous aura pas plu. Et puis, et c'est là il y a eu le bombardement à Boaké, il y a eu des morts. Et c'est là. Le lendemain, quand on a pu détruire et puis maîtriser la ville, eux, ils m'ont dit, ah bon, voilà, grand frère, voilà, tu sais, c'est un coup aussi, j'ai dit, de ne pas sortir, il ne faut pas sortir. C'est comme ça. Voilà, Ouattara était très bien, il était un homme de conviction, il était un militaire vraiment chevronné, il est vraiment, il était engagé pour le combat qu'il menait. Voilà. Ok. Hier, le président de la République a annoncé une réforme constitutionnelle. Vous, en tant qu'analyste, qu'est-ce que ça sous-entend cette réforme? J'ai dit, le président de la République, Alassane Ouattara, est un homme de paix. C'est le véritable fils de Faure-Boigny. Tout ce qui va pour la recherche de la paix et de la réconciliation, il est sur cette voie-là. Aujourd'hui, s'il parle de changement, de peut-être une toute petite modification, parce que quand on parle de changement de constitution, c'est un peu trop, c'est peut-être une petite modification de la constitution, c'est tout à fait normal, parce qu'il veut toujours la paix et il va dans le sens de la paix. Il dit, bon, écoute, tout le monde sera candidat. Il ne veut pas mettre de balises. Lui, il a toujours été rejeté, sa candidature, pendant toute une décennie. Mais c'est le contraire. Il est le contraire des autres. Il veut que tout le monde soit candidat parce qu'il faut reconnaître qu'il faut éviter. Si Alassane n'était pas là, la Côte d'Ivoire sera embrasée. Et si la Côte d'Ivoire est embrasée, toute la sous-région va péricliter. Pour éviter cela, son combat, c'est de maintenir cette paix en Côte d'Ivoire pour que la sous-région en bénéficie. À travers la sous-région, toute l'Afrique entière.
président Alassane, il mérite même le prix Nobel de la paix. Ça, il faut le dire. C'est un homme de paix, le véritable fils de Feu Boyé. Et voilà pourquoi il a créé le rassemblement des Ofoïtistes, le RHDP. Pour que la paix puisse toujours exister, que les Ivoiriens vivent ensemble. Puisque il faut, nous avons plus de combien de pourcents des étrangers ici? Plusieurs. Mais aujourd'hui, tu peux quitter ici, tu vas à la frontière, dans laquelle tu sors. Peut-être si tu as une opération bancaire, toi-même tu vas chercher ta carte d'identité pour... Bon, on a eu des atrocités ici. Des gens qui ont été abattus parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Des gens qui sont partis pour faire des cartes d'identité, ils n'en avaient pas. Alassane Ouattara a aboli tout ça. Aujourd'hui, c'est la paix. Et vivre ensemble. Dans la paix, la dignité, dans la réconciliation. Il n'y a pas de problème. Alors, toujours au sujet de cette réforme, la nouvelle constitution a été adoptée le 1er novembre 2016. Ça fait 3 ans. Et à 9 mois des élections présidentielles, pourquoi veut-on retoucher à cette constitution? Il faut retoucher. Là-bas, d'abord, en 2016, il y a eu, c'était le référendum. Oui. Le peuple s'est exprimé. Le peuple s'est exprimé et la majorité du peuple a décidé de dire oui au président de la République. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, pour permettre également, pour éviter, pour enlever certaines balises, et il va réviser la Constitution pour permettre à tout le monde d'être candidat. Vous voyez, il a dit, y compris lui-même, personne ne sera exclu à la candidature. Les gens lui ont fait de tort il y a une vingtaine d'années. À chaque fois, il n'est pas candidat, à chaque fois, il est candidat. Mais lui, il dit tout le monde, venez, vous êtes tous candidats, y compris lui-même. Je pense que ce n'est pas changer la Constitution, c'est juste une petite modification, peut-être d'un petit chapitre de la Constitution, pour que tout ça, là, c'est pour la consolidation de la paix. La consolidation de la paix. Parce qu'il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire, c'est les poumons de l'Afrique occidentale. Et si la Côte d'Ivoire est touchée, et ça va répercuter sur les pays environnants. Ça, c'est clair. Donc, pour éviter cela, c'est pourquoi il a toujours la bénédiction de Dieu. Il veut toujours la paix. Et c'est sur cette paix-là, il est sur le chemin, sur la bonne voie. Et il a la bénédiction des Ivoiriens, il a la bénédiction du peuple. Pour terminer, vous avez le choix entre un coup de cœur et un coup de gueule. Coup de gueule. Alors, on vous écoute. Coup de gueule, moi je viens à Fousiata Bamba. Elle s'est dit avocate, elle n'a jamais gagné un procès, on ne l'a jamais vue dans un cabinet d'avocat. Je doute aussi réellement si elle est avocate. Je doute aussi réellement si elle est avocate. Une avocate qui se lève, qui s'assoit dans un autre pays et qui insulte le président de son État, qui dénigre même son État. Écoute, c'est vrai, le pouvoir est une tentation perpétuelle, mais si tu n'es pas prêt, il faut t'asseoir. Mais si tu veux faire avec la violence, mais si on t'attrape, écoute, c'est clair. Alors, merci, M. Tirassidi. Je rappelle que vous êtes directeur général et directeur de publication de l'Essor ivoirien. L'actu décrypté, c'est un rendez-vous quotidien. Merci.